សូមអញ្ជើញអង្គុយចុះអង្គខ្ញុំប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសំណាកាសូមអញ្ជើញមេធាវីការពារក្តីអន្តរជាតិបន្តនៅសេចក្តីចំណាត់ឋានរបស់ខ្លួន Merci, Monsieur le Président. En quelque sorte, en conclusion de tout ce que je viens de dire sur la reconnaissance des faits de doute, les procureurs semblaient continuer à douter de la sincérité de cette reconnaissance, de son caractère complet. Vous vous souvenez que l'avant-dernier jour des débats, le 16 septembre 2009, j'ai posé une question en forme de conclusion à Douk. Question que j'ai reprise dans les propres déclarations du procureur Robert Petit. Vous savez que nous disons toujours que c'est dans les dossiers adverses que l'on trouve les meilleurs arguments. Lors de sa déclaration préliminaire, le procureur Robert Petit avait, enfin abordé la question de la reconnaissance par l'accusé, mais il lui avait en quelque sorte lancé un défi. Et souvenez-vous, il avait dit ceci. Donc, si nous devons à la fin de ce procès établir la vérité sur ce qui s'est passé à S21. Alors, je soutiens respectueusement que vous devrez confronter l'accusé au fait de la cause et à la seule conclusion logique que l'on puisse en tirer. Plutôt que l'image de l'exécutant agissant contre son gré, il a tenté de donner pendant l'instruction quasiment inconscient des horreurs perpétrées autour de lui par ses subordonnés pendant qu'il s'affairait dans son bureau tout occupé. Il était en réalité celui qui, jouissant de la confiance de ses supérieurs, mis en œuvre de manière dévouée et sans merci la persécution par le PCK du peuple cambodgien, AS21. S'il l'admet, alors et alors seulement, l'accusé pourra réellement prétendre avoir reconnu ses crimes et bénéficier des conséquences de cet aveu. J'ai toujours dit que Douk avait très largement reconnu ses crimes bien au-delà de cette déclaration. Mais, puisque tels étaient les propos du procureur, c'est-à-dire de la poursuite, et puisque la poursuite avait très précisément défini le cadre dans lequel, selon elle, il y aurait véritable reconnaissance de responsabilité, j'ai posé mot pour mot la question à l'accusé devant vous.
lors de cette audience, le 16 septembre, j'ai dit ceci à l'accusé. Nous sommes à la fin des débats. Je n'ai qu'une seule question à vous poser. Et reprenant mot à mot, le procureur Robert Petit, je lui ai dit, admettez-vous que vous étiez en réalité celui qui, jouissant de la confiance de ses supérieurs, mit en œuvre de manière dévouée et sans merci la persécution par le PCK du peuple cambodgien à S21. L'admettez-vous, oui ou non? Réponse de l'accusé, oui, je l'admets totalement. Mais comment peut-il y avoir encore l'ombre d'un doute dans l'esprit des coprocureurs qui ont eu 2 mois pour rédiger 160 pages de mémoire, plus les notes, les fameuses notes de bas de page, sans lesquelles nous n'existerions pas dans ce tribunal. Apparemment. Et je n'ai pas retrouvé confirmation de ce que le bureau des coprocureurs était satisfait de la réponse. Je ne sais plus ce qu'il faut au bureau des coprocureurs. Mais comme ce sont des personnes avisées, elles ont senti évidemment la difficulté. Et vous n'aurez pas manqué, messieurs et madame, d'observer dans les réquisitions hier deux mots nouveaux qui sont apparus avec insistance pour essayer encore et encore d'accuser, pardonnez-moi le terme trivial, d'enfoncer l'accusé. Deux mots nouveaux. Il a agi avec zèle et avec enthousiasme. Et tant qu'il n'aura pas reconnu cela, ses aveux ne seront pas sincères. Ce n'est pas ce qu'avait dit M. Petit. C'est nouveau. Et pourtant, nous verrons encore des déclarations de Duc tout à l'heure dans lesquelles il dit, oui, j'agissais avec zèle, oui, j'agissais avec enthousiasme. Alors, vous les avez ces mots clés apparemment si importants. Au lieu de reconnaître ce qui était réellement dit, je ne peux pas laisser passer les citations tronquées. Le procureur vous a lu hier une citation de Duc qui avait dit quand on lui avait montré une photo de lui à l'époque. Il avait dit ceci, c'est l'audience du 17 juin. Et pour conclure, disait-il, si vous regardez maintenant les photos de moi à l'époque, il me semble que j'étais plutôt fier du travail que je faisais, qui était de maintenir fermement la position de classe. Voilà la citation qui nous a été donnée hier. Cette citation est tronquée. La fin de la déclaration de l'accusé est celle-ci. À propos de cette photo. Mais avec le recul et à l'analyse, je dirais que j'ai honte. C'est choquant et on ne peut qu'éprouver de la honte à se voir représenté ainsi en photo pour être responsable de la mort de 10 000 personnes, de plus de 10 000 personnes. Je n'aime pas les citations. Alors,
Il me semble que votre chambre pour dire qu'il me soit encore permis de dire quelques mots sur ce qui nous semble être l'impact positif reconnu d'une telle reconnaissance. Je me réfère notamment à l'expert David Chandler, à qui j'ai posé la question. Est-ce que vous considérez que le fait pour l'accusé de reconnaître sa responsabilité sert l'histoire? Réponse de M. Chandler. Oui, la réponse est facile. Je le crois effectivement. J'étais très ému et très impressionné par la reconnaissance de culpabilité de l'accusé. Je ne parle pas des survivants. J'ai entendu le docteur Chim Sotehara, psychologue, cet expert a aussi parlé d'un cheminement pour les victimes. Je pense aussi à la déclaration, je suis en colère au-delà des mots, mais par ailleurs, je respecte et je reconnais le plaidoyer de culpabilité de l'accusé. Je souhaite que, dans sa sagesse, la Chambre puisse prendre tous ces éléments en considération. Je viens maintenant sur un autre thème qui me paraît extrêmement important. Le bureau des coprocureurs vient de réinventer l'histoire du Kampuchea démocratique et vient de nous expliquer qu'en réalité nous n'étions pas dans une dictature. Parce que si le centre de sécurité S21 dont on vous a dit que c'était le plus important du pays, sur lequel j'émets quand même quelques réserves. Mais si le centre de sécurité de S21 était celui qui était à la place où vous dites qu'il était, monsieur le coprocureur, alors, si comme vous le dites, son chef avait une telle autonomie de décision
qui faisait que lui-même décidait des choses, que lui-même conseillait ses chefs, que lui-même, j'ai entendu, je crois que c'est Mme Michelin, faisait peur à ses chefs. Ça n'est plus de la dictature, c'est de la démocratie participative, le KD que vous nous avez décrit. C'est quand même un lieu extraordinaire, S21. Son chef décide, son chef choisit, son chef s'affranchit de toute hiérarchie. C'est ça qui nous a été expliqué hier. Dans les mots que vous avez employés et que je vous ai recités mot pour mot. Alors, nous avions demandé à l'expert Raoul Génard de venir expliquer devant cette chambre ce que nous avons appelé la chaîne de commandement. Et nous remercions particulièrement Raoul Génard pour son exposé parfaitement clair. Là aussi, j'ai lu dans le rapport des coprocureurs que la consultation qu'il aurait faite, qu'il avait faite, n'ayant pas de footnote, si vous me permettez en français, de notes de bas de page, elle ne devait pas être recevable. Mais quelle est donc cette dictature des notes de bas de page? Vous ne pouvez pas accepter que quelqu'un ait sa propre parole. Vous ne pouvez pas accepter qu'un expert parle à partir de ses propres connaissances. Madame le juge Calakonraï saura ce dont je parle quand je parle des peuples du Pacifique. L'on dit aisément que quand on parle, on doit habiter ses paroles. Je considère pour ma part que l'expert Raoul Génard, quand il a témoigné ici, habitait ses paroles. Et si vous voulez les contester, faites-le. Je vous souhaite bonne chance. Il est venu nous expliquer comment fonctionnait la chaîne de commandement de ce Kampuchea démocratique. Et plus particulièrement, il vous a expliqué l'analyse que l'on peut faire à partir de cette chaîne de commandement qui est connue. Et je reprends, toujours dans le dossier adverse, dans votre fameux réquisitoire définitif illustrant les contacts réguliers entre Douk et ses supérieurs, Monsieur le Président, Madame, Messieurs, reportez-vous au paragraphe 141 du réquisitoire définitif des coprocureurs avant l'ordonnance de renvoi. Qu'est-ce qui nous est dit, qui est le contraire exact de ce que nous avons entendu hier? Qu'est-ce qui nous est dit? La relation de travail de Douk et Son Sen était particulièrement étroite. Ils se parlaient tous les jours sur une ligne téléphonique sécurisée. C'est les procureurs qui l'écrivent. Et maintenant, ils le contestent. Douk rendait compte à Son Sen des détails des aveux, discutait des stratégies et des cibles en matière d'arrestation et recevait les ordres de Son Sen. Ce dernier visitait aussi fréquemment S21 pour y dispenser des formations, notamment renseigner les responsables de S21 au sujet des agents ennemis issus de la CIA et des Yung. Son Sen se rendait aussi à la résidence de Douk. Après que Son Sen eut quitté Phnom Penh pour se rendre au front,
Duc rendit compte à son nouveau supérieur Nunchi, au moins tous les trois jours, soit en personne, soit par l'intermédiaire d'un messager. Duc correspondait avec Nunchi par instruction écrite et se rendait parfois à son bureau. Duc était le subordonné de Sun Sen. Et on ne pourra pas passer à côté de ça, ni de ce que cela signifie concrètement. J'ai posé la question à David Chandler. Est-ce que ici vous pouvez confirmer que Duc était bien le subordonné de Sun Sen et que Sun Sen avait la haute main sur le Saint-Ébal? Réponse de David Chandler, oui, c'est tout à fait exact et je n'ai jamais voulu dire que l'accusé avait une autonomie complète dans son activité, il était sous les ordres de Sun Sen. Et il ajoute, mais pour répondre à votre question, oui, bien sûr, ce n'était pas une opération qui tournait toute seule, en parlant de S21, c'est une opération qui était suivie de très près par plus haut. J'ai utilisé cette expression pendant nos débats. S21 était dans la main de Sun Sen. S21 était sous tutelle du comité permanent. S'il y a une spécificité de S21, c'est celle que nous connaissons, bien sûr, d'avoir reçu des cadres de l'ensemble du pays. Et d'ailleurs, cela participe de l'immense complexité de ce dossier. Les procureurs ont reconnu que 78% des personnes qui ont été tuées à S21 étaient des gens eux-mêmes du régime, dont plusieurs avaient bien plus de sang sur les mains que Duc lui-même. Ça participe, nous le savons, à la complexité et de ce dossier et de la réconciliation au Cambodge, où, comme l'a dit un avocat des partis civils, dans presque chaque famille, il y a eu d'un côté des victimes authentiques et des bourreaux. Dans presque chaque famille, on le sait, hélas. S21 particulièrement, qui parmi ses victimes a d'anciens gardiens. On n'a pas le droit d'évacuer cette complexité. Elle est posée devant nous. Mais en même temps, cela ne justifie en rien la fin qu'ont eu toutes ces personnes. Bien entendu. Sans compter que toutes ces personnes elles-mêmes avaient sans aucun doute, sauf les plus hauts, mais toutes ces personnes avaient été elles-mêmes embarquées dans cet engrenage. Donc S21, placé sous la tutelle du centre, alors, Monsieur le procureur a essayé hier de vous dire que Duc était près des puissants, juste pour l'information de la Chambre. Ce qui est sous-jacent derrière cette idée, c'est ce témoin que vous n'avez finalement pas fait venir, qui prétendait que au mariage de Duc avaient assisté tous les puissants. Et le bureau du procureur ne s'est jamais défait de cette idée
même si elle est contraire à tout, je dis bien à tout ce que nous savons maintenant du dossier. Et quand hier on a évoqué encore le fait que Douk était un frère d'armes de Sun-Sen, quand on a évoqué le fait qu'il cherchait sa promotion, qu'il cherchait à être près des puissants, c'est ça qui est derrière. Ah bon. Douk près des puissants. J'ai demandé à ce que soit versé au débat ce livre que l'on ne saurait ignorer, la biographie de Pol Pot, écrite par Philippe Short, Anatomie d'un cauchemar. Alors vous savez, quand on veut savoir la place de quelqu'un dans une hiérarchie, un des moyens, c'est de savoir comment cette hiérarchie traite cette personne dans les situations de crise. Quelle meilleure situation de crise que celle de la fuite de Phnom Penh? Écoutez bien. Écoutez bien quel fut le sort de celui qui, soi-disant, était près des puissants au moment de la fuite de Phnom Penh. Et je vous lis des extraits du livre de Short aux pages 511 et suivantes. Nous sommes le 6 janvier. Sun Sen quitta la ville le soir même, le 6, traversant les lignes vietnamiennes pour rejoindre Kampong Cham, où il s'efforça de rallier ce qui restait des divisions Khmer Rouge du front Est. Paul Nunchia, Kyo Sampong, accompagné de plusieurs jeeps bourrés de gardes du corps, partir le lendemain matin à l'aube, le dimanche 7 janvier, pour Pursat. Paul était à bord d'une Chevrolet plus haute sur roue et qui franchissait plus facilement les nids de poules que la Mercedes de ses compagnons. Yeng Sari, parti pour Battambang, à bord d'un train spécial, transportant plusieurs centaines de membres du personnel du ministère des Affaires étrangères avec des archives du ministère empaquetées à la hâte la veille. Peu après 8 heures du matin, on aperçut Mok au volant d'une Jeep près du ministère des Affaires étrangères. Mais quelques heures plus tard, se rendant compte que sa présence était parfaitement inutile, il partit pour sa vieille base du mont Oral. C'est ainsi que vers le milieu de la matinée du dimanche, tous les dirigeants du Kampuchea démocratique avaient filé à l'anglaise, abandonnant la capitale à son sort. La population de 4000 ouvriers et les soldats, ainsi que les unités militaires basées au voisinage immédiat, en fut réduite à se débrouiller comme elle pouvait en se passant de ses chefs. Oui, Douk. Page 513. La priorité accordée à la sécurité de Sihanouk, à la protection de Paul et des autres dirigeants, n'était que la mise en pratique du principe exposé par Nunchia plusieurs mois auparavant: si nous perdons des membres mais que nous conservons la direction, nous pourrons continuer à gagner. Fin de page 613. Hors du cercle étroit constitué par Pol Pot, Nunchi, Yeng Sari et Sun Sen, personne n'était correctement informé. Et enfin, en bas de page, la plus secrète de toutes les institutions Khmer Rouge elles-mêmes,
Le centre de torture S21 à Kyocling poursuivit son travail maléfique, ignorante du danger, jusqu'à ce qu'il fût presque trop tard. Personne n'a songé à prévenir Duc. On interrogeait encore des prisonniers le 5 janvier, quand Duc reçut un message urgent de Nunchia lui ordonnant d'exécuter les détenus restants. Il obtempéra, mais il n'eut pas le temps de détruire les archives de la prison qui furent pour la plupart récupérées intactes par les forces d'occupation. Si vous voulez, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges de la Chambre, savoir quelle était la place de Duc dans le Kampuchea démocratique, vous vous reporterez à ces éléments historiques et vous vous rappellerez que Duc est parti ce jour-là en savate et en short et à pied, bien entendu. Donc dans ce régime, on l'a dit, Duc était assigné à une tâche par ses supérieurs. Vous avez entendu à l'audience cette version totalement nouvelle de M. Craig Acheson. Nouvelle parce que jamais écrite auparavant dans aucun ouvrage. Jamais écrite dans son propre rapport, écrit au début du fonctionnement des chambres. Et après ce rapport, M. Acheson a travaillé assidûment pour le bureau des coprocureurs et nous a livré alors cette nouvelle version absolument stupéfiante dont vous avez entendu encore quelques échos hier, cette version consistant à dire, mais en réalité, c'est Duc qui, par son travail méticuleux, par son zèle et par son enthousiasme, alimentait la paranoïa des dirigeants du régime. Comme si les dirigeants du régime avaient attendu Duc pour devenir paranoïaque. Alors je vous renvoie sur ce point à David Chandler, une fois encore, son livre, page 136. De ce point de vue, les aveux représentaient des mantras protégeant le centre du parti contre ses ennemis, mais aussi contre tout effort de compréhension de la situation réelle. Duc, Pon, Chan et leurs associés étaient simultanément des prêtres, des thérapeutes, des mineurs, des vivisecteurs et des historiens. En concoctant l'histoire à partir des fantasmes de leurs dirigeants, entre parenthèses, qui étaient probablement aussi les leurs, ils servaient bien leur maître. Ils servaient bien leur maître. Nous reviendrons sur le caractère de Duc qui vous a dit, et je pense que vous l'avez toujours en mémoire, mes maîtres me considéraient comme leur chien fidèle. Mais je continue sur ce système du Kampuchea démocratique dont encore Craig Acheson, dans son rapport, c'est-à-dire avant d'en venir à ses thèses totalement nouvelles, dans son rapport, il nous disait « Le comité permanent
contrôler tous les réseaux de communication du régime du Kampuchea démocratique. Et toutes les communications étaient organisées selon une hiérarchie exclusivement verticale. Et vous avez, dans votre dossier, vous avez déjà plusieurs télégrammes venant des d'autres régions et adressés directement au centre avec des confessions. Et donc, vous a dit, lui qui n'est pas tenu au secret de l'instruction, donc vous a dit, hier, les juges d'instruction continuent encore aujourd'hui à m'interroger sur d'autres télégrammes qui viennent encore d'autres régions. C'était bien tout un système qui était à l'œuvre dans tout le pays, venant de toutes les zones, et qui était adressé de manière verticale au centre, parce que c'est là que tout se passait. Et on voudrait vous faire croire que dans ce système, Duc pouvait avoir de l'autonomie de décision. Je passe sur, j'en ai parlé tout à l'heure, sur cette mauvaise plaisanterie, si j'ose dire, avec Soumet, où l'on essaye absolument à l'encontre de tout ce qui est décrit par ailleurs, on essaye de faire croire qu'au moins avec une des zones et au moins avec une des divisions, celle de Soumet, Duc pouvait avoir des relations horizontales. Tandis que M. Greg Excelson, quelques lignes auparavant, a écrit dans son rapport que avoir des relations horizontales était considéré comme une trahison. Il n'a pas peur de se contredire en disant, eh bien lui qui est toujours vivant aujourd'hui, il a trahi et il a eu des relations verticales, horizontales, pardon, avec Soumet. Mais à qui peut-on le faire croire? Maître Karsavoud vous a longuement parlé hier de cette décision du 30 mars 1976. Je n'y reviens pas. Je rappelle qu'en fonction de cette décision fondamentale, secrète comme bien entendu, puisque tout était secret, en fonction de cette décision, cette révolution-là, comme beaucoup auparavant, l'expert Génard vous a rappelé l'Union soviétique. Et le français que je suis n'ignore pas que l'Union soviétique s'est inspirée du régime de la terreur qui a eu cours en France après la révolution de 1789. Comme toutes les révolutions, elles se nourrissent de ce fantasme des ennemis de la révolution et des contre-révolutionnaires. Mais plus que partout ailleurs ici, oui, il a été adopté une politique d'élimination systématique des ennemis, une recherche systématique des ennemis, et une fois qu'ils étaient trouvés, ils étaient livrés à AS-21, comme dans d'autres centres, pour la sinistre besogne qui consistait à les interroger pour justifier leur arrestation a posteriori, puis à les éliminer. C'était la sinistre tâche de Duc. Comme l'a encore rappelé David Chandler le 6 août 2009, je pense que l'accusé à S21, son rôle était de veiller,
à ce que qui que ce soit entrant dans la prison devait être exécuté. Telle était sa mission. Ce mandat ne lui a jamais été retiré par quelque autorité que ce soit. Par conséquent, il n'avait pas besoin de chercher l'approbation d'une autorité supérieure pour mettre en œuvre et superviser un système dans lequel on n'avait pas le choix de savoir qui devait être tué et qui ne devait pas être tué. Qui que ce soit entrant à S21 devait être exécuté, quelle que soit la situation. Sinistre, terrible besogne assignée à Douk. Mais besogne qui s'inscrivait, hélas, dans une politique décidée à un niveau qui échappait totalement à Douk. Et je dis que là aussi, c'est une véritable réécriture de l'histoire. Pour pas utiliser un autre mot moins gentil que de prétendre que Douk, dans cette hiérarchie de commandement, avait quelque possibilité que ce soit de choisir lui-même ou de conseiller des arrestations. On reviendra tout à l'heure sur quelques contre-vérités utilisées sur les fameuses listes qui étaient demandées à Douk. Greg Elisakson toujours. Il existait une purge constante au sein des rangs. Au fil du temps, cette purge s'est produite partout dans le pays et dans de nombreux endroits. C'est pas S21. Le processus de purge s'est produit encore et encore et encore pour les mêmes bureaux aux mêmes échelons. Je le répète, 12 380 morts à S21, c'est 12 380 morts de trop. Mais ça ne sont pas les 1 700 000 morts que l'on peut, que l'on doit reprocher à ceux qui étaient les dirigeants de ce régime criminel. Et Greg Echesson cite un extrait du drapeau révolutionnaire. Vers le milieu de l'année 78, le centre du parti a décrit le processus de purge du parti dans une édition spéciale du magazine du PCK, Drapeau révolutionnaire. C'est Greg Echesson qui parle. Le centre du parti attachait une attention particulière à la nécessité de rechercher les ennemis à l'échelon du secteur, déclarant ce qui suit. Nous avons pu éliminer proprement plus de 99% des grands ennemis méprisables. Caché, se terrant à l'intérieur. Les choses doivent être examinées de la sorte dans tout le pays. Chaque secteur doit être examiné de cette manière. Chaque district doit être examiné de cette manière. Chaque coopérative doit être examinée de cette manière. L'armée, les ministères et les bureaux doivent être examinés de cette manière. Tout ça est entre guillemets. C'est une citation extraite du drapeau révolutionnaire qui était, nous le savons, l'œuvre de Pol Pot. Et encore ceci, nous devons considérer comme essentiel la tâche de lutter contre l'ennemi intérieur qui est liée à chacune de nos autres tâches. Chaque niveau du parti doit dès lors jouer le rôle consistant à diriger l'armée et le peuple afin de s'attaquer à tous ces ennemis, de les éliminer proprement, éliminer encore et encore sans relâche, de sorte que les forces du parti soient pures, que nos forces dirigeantes
à tous les niveaux et dans toutes les sphères soit toujours propre. À partir de ça, le travail de Duc concret AS21 pour recueillir des aveux. Moi, je veux bien que l'on échafaude des thèses totalement à l'encontre du système que l'on vient soi-même de décrire. Mais il y a des éléments au dossier. Il y a des éléments au dossier qui sont extrêmement parlants. Vous savez, plus que les témoins, les documents. Alors, ce fameux carnet des interrogateurs qui a été appelé, bizarrement, liste de statistiques de la branche spéciale S21, politique, idéologie, organisation. Et je donne exceptionnellement le numéro ERN 40 0 7445 à 7513. Les procureurs avaient appelé ce document fondamental, manuel de la torture. Souvenez-vous, j'ai interrogé le témoin Prakan, pour qui vous vous souviendrez aussi que je n'ai pas une particulière confiance sur ses propres déclarations par ailleurs. Mais là, je lui ai parlé d'un écrit. Et je lui ai posé la question suivante. Monsieur le témoin, je souhaiterais maintenant vous poser quelques questions à partir d'un document qui figure au dossier et que l'on considère comme étant le carnet d'un interrogateur. Donc un carnet, je le précise à la Chambre, qui aurait été écrit lors des séances de formation que donnait Duc. Nous sommes dans ce contexte, le centre recherche des ennemis, les envoie à Duc pour qu'il fasse des aveux. Duc forme les interrogateurs et nous allons voir grâce à ce cahier qu'est-ce qu'il dit aux interrogateurs. Ça, ce n'est pas du témoignage, c'est ce qui est écrit. Alors, je pose la question à Prakan. Il y a un chapitre qui est intitulé « Instruction de Duc lors des séances de formation ». C'est notre intitulé. Dans la version française, à la page 9 de ce document, liste de statistiques, j'ai dit au témoin Prakan, je lis ceci. Écoutez bien, monsieur le témoin. L'encart nous instruit de bien interroger intensément. Nous avons bien suivi cette instruction. Mais nous donnons plus de poids à la torture qu'à la politique. Ceci est contraire à l'instruction selon laquelle nous devons nous servir de la politique. Plus bas, dans le même document, sous l'intitulé « Objectif d'amélioration du travail ». Il est noté trois points. Premièrement, utiliser la politique comme base. Deuxièmement,
Suivre les réponses comparatives de manière détaillée avant de recourir à la torture. Troisièmement, respecter strictement la discipline de l'encart pendant l'interrogatoire. Et j'ajoute pour le témoin, je vous poserai une question plus loin, mais je continue mes questions, monsieur le témoin. Page 13 en français, paragraphe 3, point de vue et position sur les méthodes d'interrogatoire, il est indiqué encore ceci dans le document. Premièrement, les mesures pour chacun de nous pendant l'interrogatoire sont de deux sortes. Petit A, pression politique. Nous devons la faire de manière soutenue et à tout moment. Petit B, l'utilisation de la torture est une mesure complémentaire. Il est indiqué, deuxièmement, des expériences du passé de nos camarades interrogateurs étaient en général accentuées sur la torture, c'est-à-dire donner plus d'importance à la torture qu'à la propagande. Ceci est une expérience erronée et nous devons nous en rendre compte avec détermination. Et j'ai dit alors au témoin Prakan, monsieur le témoin, est-ce que cela vous rappelle ce que vous entendiez dans les séances de formation ? Réponse du témoin Prakan, oui, j'ai entendu ce que disait Duke à l'occasion des séances de formation, oui, j'ai entendu cette théorie. C'est ça la personne cruelle qui vous a été présentée hier? Celui qui dit on cherche d'abord à agir par la pression politique et on utilise la torture que si ça n'a pas marché? Et j'ai continué mais question au témoin Prakan, toujours dans le même document. Point de vue et position vis-à-vis des confessions des ennemis. Il est écrit ceci, les laisser parler ou écrire. Il ne faut pas les interrompre, il ne faut pas les rectifier tout de suite selon notre intention. À l'exception des points que le parti suggère et que nous leur demandons parce que le parti saisit bien la situation. Mais si nous insistons sur les noms ou les activités, ils vont inventer des choses conformément à notre intention. Ce faisant, nous allons perdre les forces révolutionnaires, ils vont rendre confuse la situation révolutionnaire, rendant le contenu des confessions vague et sans valeur. Et plus loin encore, dans le même texte, l'essentiel est que nous ne devons pas pointer les noms, ne pas les faire parler ou ne pas les forcer à parler selon notre intention. Et j'interroge alors le témoin Prakan. Avez-vous, est-ce que cela vous rappelle quelque chose? Oui, répond le témoin, c'est un point qui nous a été enseigné. Parce que si on forçait les prisonniers à répondre ou à écrire à l'extrême sur la question de leur activité, cela ne servait à rien. Donc, il fallait leur expliquer comment écrire un texte qui soit clair et compréhensible. Et ça, c'était l'instruction que nous donnait systématiquement. Donc, moi, je veux bien qu'on raconte des histoires devant un tribunal pénal international. Mais il y a des documents. Ils sont au dossier. Alors, on prend les documents. On regarde les documents.
Et on essaye à partir de ces documents de faire émerger la vérité. Pas ce que l'on voudrait soi-même croire, la vérité. La vérité, c'est aussi de parler du régime de terreur. Comment peut-on extraire Duc et S21 du régime de terreur? Juste quelques rappels. Raoul Génard, encore, qui cite un slogan de l'époque, qui proteste est un ennemi, qui s'oppose est un cadavre. Est-ce qu'il y a besoin de long développement devant ce type de slogan? Craig Chasson encore, dans sa déposition du 28 mai, je pense personnellement que les dirigeants du Kampuchea démocratique ont explicitement employé la terreur comme moyen de contrôle. Il n'en fait pas partie. Chandler, dans son livre, page 66, version française, ce changement inaugura le règne absolu de la terreur qui se maintient jusqu'à l'effondrement du Cadet. Alors, j'ai interrogé, vous en souvenez, David Chandler, lors de sa comparution le 6 août 2009, sur cette paranoïa. Oui, dit-il, la paranoïa a commencé au centre, pas à S21. La paranoïa a commencé au centre et ensuite s'est diffusée dans les rangs. La paranoïa des dirigeants a continué. Et si l'ennemi le plus dangereux était l'ennemi invisible, il n'y a pas de fin, puisqu'on ne peut pas le voir, l'ennemi. Souvenez-vous encore de Madame Sironi, l'expert psychologue. 1er septembre 2009. Et la paranoïa galope, c'est-à-dire qu'elle ne s'arrête pas. Rien n'apaise le paranoïaque. Nous avons évoqué hier, dit-elle, un diagnostic psychopolitique au sujet de l'accusé. Mais aussi au sujet, on pourrait dire, de l'ensemble d'un pays. À savoir que petit à petit, l'ensemble du pays, tous les rouages vont fonctionner de la même manière qu'un individu. Le changement psychologique que demande l'adaptation de la psychologie d'un individu au changement de régime. Et à un moment donné, les deux fonctionnent de la même manière. Sauf que tous les individus du peuple ne deviennent pas paranoïaques, mais ils doivent s'adapter, développer des mécanismes psychologiques d'adaptation pour s'adapter et survivre à ce régime. À savoir la dissimulation, le clivage aussi, peut-être l'excès de zèle, l'hyper-adaptation pour la survie, pour lutter contre la terreur. Et ce climat de terreur, Duc, mais aussi combien de témoins qui sont venus devant vous
l'ont retraduit à S21. Je prends quelques citations. Donc le 16 septembre 2009, je ne savais pas si j'allais être mis en cause pendant mon travail à S21, mais dans la réalité, j'avais très peur de toute manière. J'avais l'âme au bout des cheveux, dit-on en khmer. Souvenez-vous de l'expert psychiatre, le docteur K. Soumbounat, de ce moment. L'accusé, dans le cas de Von Vett, qu'il fallait tuer, n'avait d'autre choix que de tuer ou d'être tué. Et pour survivre, il a donc choisi de tuer. Ou plus exactement de faire tuer. Ça, c'est moi qui le raconte. Le docteur poursuit. L'accusé était membre du parti. L'autre, en l'occurrence, était aussi membre du parti. Non, pardon, l'autre, en l'occurrence, était membre du centre du parti, était en principe un modèle. Mais l'accusé était lui-même un instrument absolu entre les mains du parti. Et en tant que tel, il devait un peu fonctionner comme une machine obéissante et respectueuse des ordres et des instructions. Il recevait des instructions qu'il ne pouvait contester et il s'est ainsi retrouvé dans cette situation où il a dû choisir de tuer ou d'être tué. David Chandler, encore. Le 6 août 2009, dans sa déclaration, parlant de Duc, il a été effrayé, dit-il en parlant de Duc, effectivement, parce qu'en quelque sorte, le régime semblait devenir tout à fait arbitraire. Il y a beaucoup d'indices comme quoi, si les Vietnamiens n'étaient pas entrés au Cambodge, Sun Sen lui-même serait passé à la trappe. On sait qu'il y est passé quelques années plus tard. Il y avait donc, poursuit Chandler, une peur généralisée à ce stade. Et donc, ajoute Chandler, dans ces derniers mois, ces 6 derniers mois peut-être du régime, c'est vrai qu'il y a des documents qui font état de regrets de la part de l'accusé. Alors, certes, il a eu peur, cela est aussi conforme et cohérent avec ce qui se passait à l'époque. Je voudrais, avant la pause, aborder enfin la question du secret, rapidement, qui va avec la terreur. Chandler, encore une fois, le secret, naturellement, était quelque chose de central pour l'idéologie et le comportement du Kampuchea démocratique. Et Nuncha l'a dit très clairement. Lorsqu'il a reçu la visite d'une délégation danoise en 1978, il a dit, je ne me souviens pas des termes exacts, mais que le secret était au cœur même du gouvernement du Kampuchea démocratique. Et l'on voudrait encore nous faire croire que ce comité permanent ne fonctionnait pas en secret par rapport à S21. On voudrait nous faire croire que Duc avait accès au secret du comité permanent. Vous retrouverez dans les statuts du PCK
à l'article 2, devoir du membre du parti. Et si on peut reprocher beaucoup de choses à Duc, en tout cas, on ne peut pas lui reprocher d'avoir fidèlement suivi à la lettre les obligations de tout membre du parti. Et parmi ces obligations, s'efforcer de garder le secret du parti absolument avec une vigilance révolutionnaire haute en permanence. Quelqu'un ici croit-il que Duc aurait désobéi à ça? Quelqu'un ici croit-il que Sun Sen aurait désobéi à ça? Et Raoul Génard, dans sa même déclaration, le Parti communiste du Kampuchea, à partir de 1963, opère dans la clandestinité. Il met en œuvre une pratique du secret et une méthode de cloisonnement qui deviennent un mode de direction du parti. Et à partir de 1975, un mode de gouvernement du pays. C'est ce secret qui était aussi à l'œuvre à S21 même. C'est ce secret qui entourait S21, comme le rappelle Short, qui fait qu'S21 n'était connu de personne à l'extérieur, à part son supérieur et les membres du comité permanent. Et c'est la raison pour laquelle, oui, même si quelqu'un rentrait par erreur à S21, il était éliminé parce que personne ne devait savoir à l'extérieur ce qui se passait à l'intérieur. Et ça, c'était les ordres qu'avait reçus Duc. Camarades, vous maintiendrez le secret absolu conformément à l'article 2 de vos devoirs de membre du parti avec une vigilance révolutionnaire haute et en permanence. Monsieur le Président, je pense que l'heure est venue de la pause. Some drink ground chill.